Ah, honnêtement, j'ai beau être crevé, ce chapitre, je prends plaisir à le faire parce qu'on est dans les laboratoires, simplement. Et je préfère le laboratoire à tous les environnements délabrés qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Il m'a battu. Vas-y, vas-y, défonce-les. 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 Ce sont des armes que je connais pas là, c'est des bruits qu'on n'a jamais entendus encore. Oh, le con. Stop les screamers mec, enfin les jumpscares, je me trompe moi-même. Yes, je pense que c'est des balles. Un laser. Ok, alors, ça c'est le truc où il ne faut pas passer dedans. J'ai tiré un laser. Ah ça crée de l'électricité, enfin de l'énergie, donc ah ok. Le laser qui doit passer à partir de là. Oula! Ok. Je sais ce que c'est, ça. Ça va être très très intéressant. Alors, il parlait d'un prototype qu'ils utilisaient. Le laser qu'on vient de voir, c'est un prototype d'arme. Mais comme vous voyez, ils ont parlé d'overcharge. Et oui, c'est une arme qui peut surcharger. Et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est cette arme. Cette magnifique arme. Et bien, qui peut donc surcharger. Voici donc le je ne sais pas quoi. Bah, c'est marqué dessus le XVL 1456. On va l'appeler plus communément le pistolet laser. Qui est basiquement en fait c'est un pistolet laser qui peut voilà tirer le laser comme ça. Et avec un tir secondaire qui charge. Et mais ce tir secondaire, il surchauffe. Enfin, il fait surchauffer l'arme. Donc faut pas le laisser hyper longtemps. Et donc du coup, faut faire très très attention. Et c'est ça, c'est très très habile de la part du jeu de nous montrer que c'est une arme qui peut surcharger et qui peut donc être très dangereuse. Hop. Et voilà, ça fait le deuxième laser activé. Et nous on a une nouvelle arme qui est très pratique, qu'on va garder pour le moment parce qu'on prend pas beaucoup de balles. On a donc la catégorie d'armes 4 qui est débloquée. Donc on va avoir de nouvelles armes qui vont s'y ajouter dans cette catégorie au fur et à mesure du jeu. Les catégories 4 sont les armes laser et extraterrestres. Je spoil, mais bon, Half-Life est sorti il y a un peu plus de 15 ans, donc pas où tu es. Ouais, voilà. Half-Life est sorti il y a un peu plus de 15 ans, donc on sait tous que bah il y a des armes aliens dans le jeu. Ok, ok, alors ça veut dire, alors l'Oxyar 2, l'Oxyar 3 et 4 sont débranchés. Ah bah. Yes. Je sais pas à quoi ça servait. Peut-être c'est débranché tout simplement. Si tu débranches, voilà. Tu peux. Qu'est-ce que c'est ça? Une chirurgie. Ah. Assurez-vous que le bouclier est comment dire? Ah non d'accord, j'ai pas activé tous les lasers. Il y en a encore là-bas. On va essayer un peu cette nouvelle arme, cette beauté. Hey, c'est que c'est pratique. Par contre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de balles. Alors, ouh, du sang. Tu me diras, dans un laboratoire avec une invasion extraterrestre qui tue tout le monde de façon très sanglante, c'est un petit peu normal qu'il y ait du sang. Un tout petit peu. Ce bras, voilà. Donc du coup maintenant il reste encore un truc à charger. Alors, j'ai cru que c'est le signe lambda, ça t'es cool. Le signe lambda c'est le symbole de la section où se trouve Gordon Freeman en fait. Et ce sera plus tard dans Half-Life 2 le symbole de la rébellion contre CT-17, Dr. Brin et les Combines. Combines, on expliquera ce que c'est au début d'Half-Life 2 et à la fin de ça. Bah. Connard. Amenez-vous. Un autre.
Ah, je peux jouer toute la journée, moi, ce jeu. J'adore le fusil à pompe. Du coup, on active. Voilà. On est très 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 bien là. Donc du coup là les 4 voilà. 4 trucs sont bien et on peut tirer. Faut voir un peu la puissance du laser ça en fait ce truc donc. Oh wow. Quatre sur 5. Je vais le refaire. En fait. On peut pas le réactiver? Oh non! Ah c'est bon. Voilà. Préparez-vous. Mettez des lunettes. Deal with it. Ok, donc en fait voilà ce qu'il faut faire c'est désactiver ça. Il va remonter au moins. Bon, il va remonter. Bouclier étant désactivé, il ne va pas descendre. Et nous derrière, on va pouvoir ouvrir une brèche dans le mur. Désolé mon pauvre mur, mais t'es sur la trajectoire du laser. Deal with it. Oh, c'est très très beau. Il me semble que ça brûle, non? Ça brûle pas. Eh, c'est passé au travers, hein? Un fou le laser. Ah non, on s'en va encore des... On s'en va encore des labos. Oh non, on s'en va des labos! Bon, bah c'est la fin du chapitre, visiblement. Yatta. Yatta. Alors, Fufu, si tu regardes cette vidéo, Yatta. Yatta, je viens de recevoir ton message, Yatta. Oh, je les ai rejoints. Oh, thank God. Get us out of here before those military drones figure out... Faites-nous sortir d'ici avant qu'on se fasse tuer. On a tous des scanners rétiniens à accès. But you'll have to shut down the surgical unit first. That fool Peter switched it on. Ok, alors on peut sortir avec eux, le seul problème c'est ce truc là. Il faut que j'arrête. Hop. C'est bon. Joli travail. Allez. Bon allez, on fout le camp. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je pense pas que c'est un peu trop facile. D'accord, il pense que c'est trop facile, il me demande d'aller jeter un coup d'œil en premier. Bande de loupettes. Heureusement que c'était pas vide. Vas-y, active. Script. Le script. You do have more ammunition, correct? Chers amis, il me semble que j'ai fait une boulette. A fellow
scientist. Oh, thank God. Ah, c'est du one shot, d'accord. Autant pour moi, c'est du one shot. C'est du one shot. Blah. Ok, alors j'avais réussi la première fois et là j'y arrive pas, je comprends pas. Ok. Voilà. Ce truc est une machette. Pas de musique. Wait, wait. What is it? Anyone else think this is a bit too easy? Something's not right. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. I'll cover them. Je couvre alors. Il se bloque ici. Ah non. Ok, bah j'ai eu un petit bug de script, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous. Ils ont fait un piège pour moi. J'ai entendu un piège. Ouh, c'est puissant ce truc. Je kiffe la musique. Je suis mort. Je suis mort mais je ne le sais pas encore. C'est vraiment ça, hein, pour le coup. Faut que j'arrête cette expression. Blah. En plus, j'avais touché, regardez-le tomber vers sa déchéance. Pouh. C'est vraiment puissant, hein. Je suis vraiment un fan. Où t'es, où t'es? Tombe vers ta déchéance. Bam. Oh non, je suis dégoûté, sérieusement. Il faut que je me planque quelque part. Bon, allez, allez, allez. Ok, ça, bon, ça passe. Bam. Qu'est-ce que ça, toi? Bam. J'ai raté. Bam. Je l'ai raté. Bam. Non. Pas sans toi. Vache, c'est chaud. Tu sais, tu peux balancer toutes les grenades que tu veux, je bouge pas.
Mais je rêve. 4 balles. Ça va être très très compliqué. Je pense que je vais le passer en facile là pour cette séquence. Ok, les gars, je suis désolé, mais je peux pas. L'ordinateur vous est d'avis. Bon, comment je fais pour en arriver là, sérieusement. Faut que je vérifie. Parce que... Non, je suis pas encore facile. Je crois pas que j'en arrive à des choses comme ça, hein, honnêtement. Dame. Ok, bah là pour le coup c'est vraiment des tanches les bottes. Hein. Ok, on y va. C'est affligeant la facilité là pour le coup. Hein. Je peux aller devant eux, comme ceci. C'est affligeant cette facilité. Affligeant. Je repasse en normal tout de suite. You'll have to sneak and fight your way from one end to the other. I don't expect you'll meet many of our peers along the way. If you somehow survive long enough to make it across the base, you'll find the labs where the rest of the science team has taken shelter. I couldn't dare risk venturing out there, but I can inform those of us who remain in the Lambda complex that you are coming. Now alors chers amis, j'ai plusieurs choses à vous dire déjà. Là, ça va être maxi laggy. Et ensuite, Alors, si ça a bugué tout à l'heure, chers amis, c'est parce que mon disque dur était plein. Et donc j'ai perdu, enfin, j'ai pas perdu beaucoup de secondes. Là, vous avez été 2 secondes sans me voir. Pour moi, ça fait 3 jours que j'ai pas repris le jeu. Parce qu'il a fallu que j'encode tous les anciens épisodes pour pouvoir faire un peu de place pour essayer de finir celui-ci. Donc il faut qu'on se dépêche de finir celui-ci. Et donc ça va être ultra laggy. Ah la vache. Ah c'est bon. On récupère un peu de FPS. Heureusement. Donc on a un chargement. On va tenter de finir le niveau en vitesse. Enfin le chapitre en vitesse. Il me semble. En plus là, je crois que c'est maintenant qu'il va se terminer le chapitre. Donc je vais rager. Si c'est maintenant qu'il finit le chapitre, je rage. Merde. Merde, 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 merde. Non, visiblement, c'est pas un an qui est fini. Je suis juste ici. Ok, 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 ok. Tout va bien, tout va bien. Ça devrait être bon. Je pense qu'on les a eu. On a bien géré, on a bien géré. On a pas utilisé beaucoup de balles, on n'a pas perdu beaucoup de vie, donc on est bien. Et merde, il est mort. Merde. C'était pas au programme, mais là j'en ai plus beaucoup. Ok, j'en ai plus du tout. Merde, ce n'était pas au programme. Donc du coup, je recharge. Mon magnum. Il y a de la vie et des balles. Tiens, on va prendre. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc là-haut, faudrait que j'aille récupérer. On va décharger le pistolet, mais bon... Ouah ! Ok,
Qui slash quoi me tire dessus? Ok, c'est ça. Sniper, mes amis, sniper. Bon, du coup, j'ai perdu de la vie encore. Ah là 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 là. Oh, il y a des packs de vie partout. C'est affolant. Affligeant. Ils ont été sympas, le jeu. Ils se sont dit, ouais, il y a eu déjà une grosse bataille juste avant. On va pas leur faire faire une deuxième grosse bataille sans avoir aucune chance de survie. Parce qu'imaginez un peu cette bataille en difficile. En plus, est-ce que j'ai repassé de gens en... Oui, j'ai repassé de gens en normal. Qu'est-ce qu'on en est ici? On a rien, encore des caisses à casser. Brisons les caisses, j'aurais pu tirer là-dedans, ça m'aurait épargné des balles. Mais si, rien du tout, parfait, on descend. Là on est à la surface, enfin. Freeman dans mon viseur. Alors, ok, j'ai réglé ce petit souci là. Je crois que je l'ai eu. Ok, ça c'est fait. 56 points de vie. J'ai un 10-81. On est bien, on est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on est sur? On va monter. Tous les coups on va se faire gang. Je peux pas la prendre. Mais ils sont ici. Pas grand chose. Sortons. Ils ont tué tout le monde. Ok, de l'armure, de la vie. Pas. J'ai utilisé une grenade, why not? Du coup, on va aller visiter un petit peu par ici. Qu'est-ce qu'on a? C'est fermé. Ok. En face, qu'est-ce qu'on a? Rien. On doit aller par là. J'en déduis qu'on doit aller par là. Si le reste est fermé. Ok, largement. Donc on devrait normalement, là ça fait un petit peu plus de 20 minutes qu'on est sur le chapitre, donc à mon avis, ça va être la fin du chapitre maintenant. Si je dis pas de bêtises, hein. Bingo. Surface Tension, merde, j'ai horreur de ce chapitre. Déjà regardez, on commence avec des militaires. Donc je vais simplement me cacher avant de sauvegarder parce que bah sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre beaucoup de vie. Donc écoute, on va faire juste cette séquence, on va se débarrasser des militaires qui sont là et on va se quitter. Ah, c'est parti. Hop là. Non. Bon bah voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Il faut dire que je m'arme de mon... J'ai eu. Ok. Donc, on va se quitter ici, mes chers amis. Hein. Je recharge. Hop, voilà. On va faire une sauvegarde en bonne et due forme. Tac. Et je vous dis donc à la prochaine pour le prochain chapitre de Black Mesa. Donc le chapitre, je ne sais plus combien, Surface Tension, c'est lequel. Le chapitre 12. À la prochaine pour le chapitre 12. Après, il nous reste deux chapitres. Donc le 12 et le 13 seront des chapitres extra... Non, pas le... Allez, à la prochaine.